L'équipe d'Hockey Express est fort probablement l'équipe de sport la plus connue au collège. Tout le monde connaît le fameux culte des HP, mais savons-nous réellement comment ils se portent behind the scenes? Nous sommes présentement au collège et nous avons deux joueurs plus un coach prêt à répondre à nos questions. C'est parti. Ok, moi j'ai pas mal suivi la majorité des gars qui sont dans l'équipe en ce moment. Je vais pas tous les nommer parce que c'est vraiment la grande majorité. Là. Mais tu sais, on suit depuis le début, puis on fait un gradient ensemble, puis c'est ça, c'est vraiment le fun. La fin arrive, puis on veut juste finir sans beauté, puis avoir le plus de fun de tourner ensemble encore une fois. La plus grande force de l'équipe que j'ai la chance de coacher cette année, c'est la résilience. Donc, peu importe la situation, peu importe ce qui arrive, on a un groupe de joueurs qui abandonnent jamais. On peut parfois penser qu'ils sont battus, le match est terminé, mais ils vont trouver une façon de revenir. Fait que c'est une équipe qui lâche jamais, qui abandonne jamais. Une équipe extrêmement soudée, donc très unie. On parle souvent le cliché, là, une équipe de hockey ou une équipe de sport, c'est une grande famille. Bien, cette année, on le vit vraiment à l'intérieur de l'équipe. Donc autant les joueurs de 4e secondaire que ceux de 5e secondaire, il n'y a comme pas de distinction, de différence. Tout le monde joue pour la même équipe, tout le monde a du plaisir ensemble. Ben, moi, je trouve que on nous a toujours appris à représenter le collège parce que, veux pas, on porte le logo de notre équipe, mais aussi de l'école. Puis on se tient tous ensemble, puis on essaie de comme représenter notre collège, comme je l'ai dit, fait qu'on essaie de bien paraître, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace. Fait que moi, je pense que c'est primordial d'être encore plus discipliné à l'extérieur de l'école, peut-être. J'essaie justement de leur inculquer l'importance de soutenir, puis de s'unir. C'est super important dans mes propres valeurs personnelles et familiales. Puis ben, on essaie de faire ça avec l'équipe de hockey. Fait que, puis cette année, je pense que, mission accomplie, je veux pas avoir l'air prétentieux, mais les joueurs ont embarqué dans ce concept d'équipe-là. Là, puis je leur lève mon chapeau pour vrai. Ils me rendent vraiment fier. Dernière question. Si vous pouviez parler à toute l'école en ce moment, à travers la caméra là, qu'est-ce que vous diriez à toute l'école? Mais pour vrai, on est toutes des personnes comme vous autres, puis ça nous dérangerait vraiment pas de tout le monde vous intégrer. Peu importe le sport, peu importe la personne, pour vrai, on n'est peut-être pas vraiment ce que vous pensez au fond de vous autres.